L'islam entre en Égypte à la demande des Égyptiens eux-mêmes. Les plus éminents des compagnons du prophète sont arrivés novateurs et bâtisseurs. Les Coptes en témoignent. Jusqu'à aujourd'hui, ils conservent leur identité et croyances. Et les églises égyptiennes, qui étaient là lors de l'arrivée bienfaitrice, sont toujours là. Mieux encore, les premiers musulmans ont ancré l'égalité entre tous et ont assuré la sécurité de tous. C'est cela, l'islam. L'Égypte est l'une des plus vieilles civilisations du monde. Les racines de sa vie religieuse plongent dans un passé multimillénaire, plus ancien encore que les pharaons. Dès 640, 8 ans à peine après le décès du prophète Mohammed, l'islam entre en Égypte. Progressivement, il gagne en influence jusqu'à devenir la religion majoritaire. Aujourd'hui, le pays compte 102 millions d'habitants, majoritairement musulmans sunnites. Au moment où l'islam arrive en Égypte, au 7e siècle donc, presque immédiatement après la mort du prophète, l'Égypte est déjà un très vieux pays. Avec la Mésopotamie, c'est l'un des deux foyers de l'histoire, les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Omendounia, comme disent les Égyptiens, la mère de ce bas monde. Et donc ce très vieux pays est en même temps un pays de très grande concentration de population. Il appartient à l'ancien empire romain, qui est devenu peu à peu, à partir du moment où la capitale s'est déplacée de Rome à Constantinople, cet empire que nous appelons byzantin. Et le pays est très largement chrétien. Durant une longue période avant l'arrivée de l'islam, les Égyptiens ont connu deux problèmes qui constituaient un poids énorme sur leur vie de tous les jours. D'une part, le conflit religieux entre catholicisme et orthodoxie. Rome, qui était la puissance coloniale régnante sur l'Égypte de cette époque-là, tentait par la force d'imposer le catholicisme. Mais une minorité agissante, ou majorité, les historiens divergent sur ce point, de chrétiens orthodoxes s'opposaient à ce pouvoir. D'autre part, les Romains pratiquaient le modèle du pillage économique organisé. Par effet, la quasi-totalité des Égyptiens, même s'ils ne se sentaient pas concernés par la question religieuse, avaient un problème avec la colonisation romaine. Et on peut affirmer qu'il y a une grande part de vérité dans le fait que des pans entiers de la société égyptienne applaudirent le nouvel arrivant. En étudiant la vie et la personnalité de Amr ibn al-As, nous avons découvert qu'il a joué un grand rôle dès les débuts de l'islam. Il a même visité l'Égypte bien avant la naissance de l'islam. Amr pratiquait le commerce. Il connaissait les rouages et le système égyptien au travers des nombreux voyages commerciaux qu'il avait effectués. C'est pour ses connaissances du pays et de la région que le calife Omar ibn al-Khattab l'a désigné pour cette mission. Il est clair que la relation entre le libérateur et les Égyptiens était bonne. Surtout lorsque Amr libéra le patriarche Benjamin et le réinstalla à nouveau dans ses fonctions. Alexandrie, alors capitale de l'Égypte byzantine, est conquise par les musulmans en 640. C'est le général Amr ibn al-As qui les mène à la victoire à l'issue de 14 mois de siège. Les Égyptiens accueillent avec enthousiasme les libérateurs qui ont mis fin à l'exploitation perpétrée par la colonisation romaine. L'Égypte est conquise par un homme très, très singulier et très important dans l'histoire de l'islam, qui est Amr ibn al-As. Cet homme est visiblement lié au clan des Omeyyades. Il appartient à l'aristocratie mécoise et en particulier à ce clan dominant de la tribu des Quraysh de la Mecque. C'était donc un homme extrêmement habile, encore meilleur diplomate que guerrier, même si c'était un guerrier émérite. Voilà pour ce personnage qui fonde la plus vieille mosquée du Caire, hein, bien sûr. Amr ibn al-As.
Ensuite, Amr ibn al-As fonda la ville de Fustat, qui sera la première ville islamique en Afrique, en Égypte d'abord, puis en Afrique. À l'arrivée des musulmans à Fustat, ils avaient planté la tente où résidait le libérateur Amr ibn al-As. Devant cette tente, une colombe est venue poser son nid. N'ayant pas réussi à la déloger, ce lieu fut choisi pour construire une grande mosquée, connue sous le nom de la couronne des mosquées, ou la mosquée Amr ibn al-As. L'emplacement de la mosquée est aujourd'hui encore le centre de la cité, comme il est de tradition dans les villes islamiques. Ainsi débuta une ère nouvelle dans l'histoire de l'Égypte, que personnellement je considère comme une ère totalement différente de celle qui avait duré plus de 3000 ans. Et la nouvelle ère qui commence, c'est celle de l'islam. Le musée des arts islamiques du Caire est riche de trésors archéologiques. Il compte également plusieurs collections inestimables des différentes périodes de la civilisation arabo-musulmane. On y retrouve les traces visibles de l'arrivée de l'islam en Égypte. Parmi les plus belles pièces que compte le musée des arts islamiques dans ses trésors, il y a cette stèle funéraire que nous avons trouvée dans un cimetière dans la région d'Assouan, sur laquelle sont gravées 8 lignes. La première commence par la basmala, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Puis le nom du défunt, Abderrahman el-Hajari, qui semble être un nom arabe. Mais la chose la plus importante pour moi est la date de décès inscrite. Elle remonte à la 31e année de l'Hégire. L'islam entra en Égypte en l'an 21 de l'Hégire. Cela nous indique qu'il s'agit ici de l'un des tout premiers artefacts arabes présents en Égypte, datant de la période du 3e calife de l'islam, Othman ibn Affan. Lorsque les musulmans sont entrés en Égypte, ils ont répandu la langue arabe. À cette époque, les Égyptiens écrivaient en copte. Il apparaît au travers de cette écriture la difficulté et le manque de maîtrise de la calligraphie et de la grammaire arabe. Il y avait deux grands foyers historiques dans l'histoire du Proche-Orient et même dans l'histoire de l'humanité. Ce sont les deux plus anciens foyers de l'histoire humaine, la Mésopotamie et l'Égypte. Et de façon assez claire, à l'époque omeyyade, mais surtout à l'époque abbasside, c'est le foyer mésopotamien qui va l'emporter. Les abbassides installent leur capitale en Irak, et non pas en Égypte. Et donc l'Égypte devient, à l'époque abbasside, une province, et non pas une province lointaine, parce que c'est une province de très fort rapport fiscal à cause de l'importance de sa population. Un nouvel ordre s'est mis en place à l'époque abbasside, incarné par le découpage administratif. Le calife désignait des gouverneurs chargés de différents territoires et l'Égypte a été confiée au juge Bakbak le Turc. Il a envoyé son gendre Ahmed ibn Touloun, qui est arrivé en Égypte en 253 de l'Hégire, à la moitié du 9e siècle. Là, il y a eu un changement important entre l'Égypte et le califat islamique, parce que Ahmed ibn Touloun décida de se libérer de sa tutelle. Il a appelé à une indépendance par le nom, sans rompre avec le califat abbasside. Et il a installé sa famille, Ibn Touloun, qui sera la première dynastie à régner sur l'Égypte musulmane. Bâtie en 876, la mosquée Ibn Touloun est la plus ancienne d'Égypte, après celle du libérateur Amr ibn al-As. Elle est l'une des rares œuvres architecturales de la période abbasside, préservée dans son état originel jusqu'à nos jours. Ses piliers ornés d'inscriptions religieuses, sa salle d'ablution située au centre de la cour et un minaret en spirale témoignent de son histoire. La deuxième dynastie s'appelle les Irshidides, et ce sont aussi des soldats turcs qui maintiennent le lien d'allégeance avec les Abbassides, mais qui gouvernent l'Égypte pratiquement en souverain déjà indépendant. Et ce sont ces Irshidides qui sont renversés en 969 par l'arrivée des Fatimides. À la fin du 9e siècle, une puissance nouvelle surgit dans le monde musulman venant d'Afrique du Nord, plus précisément de la Tunisie actuelle.
une région connue à l'époque sous le nom d'Iferiqiya. Les Fatimides s'y sont établis en 296 de l'Hégire et ont fondé un califat en opposition avec le califat sunnite abbasside de Bagdad. Ils ont lancé des opérations pour la conquête de l'Égypte, devant leur servir de base pour attaquer le califat abbasside et l'éliminer. Ce danger pour l'Égypte, venu du Maghreb avec les Fatimides, a convaincu la dynastie abbasside de la nécessité de constituer une force capable de protéger l'Égypte. C'est ainsi qu'a été sollicité Mohammed ibn Tur al-Irshid, alors gouverneur du Levant, pour qu'il rejoigne l'Égypte et établisse une nouvelle dynastie régnante, dénommée al-Irshidiyya. Les Fatimides ont attendu que Kafur soit mort pour lancer Jauhar à la conquête de l'Égypte, parce qu'ils avaient peur précisément de la capacité de résistance de ce Kafur, qui était un grand guerrier. Après, à la quatrième tentative, c'était la quatrième fois depuis 909 que les Fatimides tentaient de conquérir l'Égypte, et en 969, au bout de 60 ans, ils y arrivent, donc ils emportent l'Égypte et ils fondent le Caire. Jauhar, leur général, fonde le Caire. Le nom du Caire signifie en arabe « la victorieuse ». Ces vieux quartiers sont le fruit des talents de bâtisseurs des Fatimides qui en font leur capitale au Xe siècle. La construction de la mosquée Al-Azhar est aussitôt une priorité pour le général Jauhar al-Sikili. Sa construction, entamée en 970, durera 2 ans. La mosquée d'origine comprenait une cour entourée de 3 bas-côtés. Elle avait un seul minaret et occupait la moitié de l'espace qu'elle représente aujourd'hui. Parmi les plus importantes initiatives entreprises par les Fatimides en Égypte et qu'a réalisé le général Jauhar al-Sikili, il y a la construction de la nouvelle capitale de l'État. Lors de leur arrivée en Égypte par le nord-est, les troupes ont traversé la capitale toulounide. Jauhar y substituera une nouvelle capitale en construisant une ville qui s'appellera le Caire. Il s'agit pour la première fois d'une capitale entourée de murs. Les 3 précédentes capitales, Fustat, Al-Askar et Al-Qata'i, n'avaient pas de murs. Et donc pour la première fois, les Fatimides ont bâti leur capitale entourée de murs avec des portes. Cette ville commence son essor seulement sous les Fatimides, hein, bien sûr, hein, au Xe, au XIe siècle, elle est très rapidement une ville extrêmement importante. Et petit à petit, elle va s'imposer dans l'histoire de l'islam, au détriment de Bagdad et au fur et à mesure que les malheurs, il faut bien dire, vont frapper Bagdad. Il est difficile de dire avec certitude qu'avec l'arrivée des Fatimides, l'Égypte soit devenue chiite. Après leur installation au pouvoir, on constate effectivement une sorte de modification sociétale qui dépasse de beaucoup le changement confessionnel ou doctrinal. De longs siècles après le départ des Fatimides et leur règne sur l'Égypte, on retrouve aujourd'hui encore dans le quotidien de la population des traces de cette époque. Elles ne témoignent d'aucun lien de conversion à la doctrine sous quelque forme que ce soit, mais montre que les Égyptiens avaient apprécié et adopté le modèle de vie qu'avaient les Fatimides, notamment les célébrations des fêtes, y compris religieuses. Après 2 siècles de présence fatimide en Égypte, il n'y a eu aucune conversion à l'ismaélisme, à l'exception de celles qui étaient liées au pouvoir régnant. La population a cependant adopté un certain nombre de commémorations et de cérémonies qui perdurent depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui,
comme la pratique du mois de Ramadan, la célébration des fêtes religieuses et des anniversaires, notamment ce que l'on appelle les six anniversaires, à savoir le Maolid, c'est-à-dire la naissance du prophète de l'islam, la date anniversaire de l'imam Ali, celle de Fatima, les anniversaires de l'imam Hassan et de l'imam Al-Hussein, la sixième célébration étant ce que l'on appelle l'anniversaire de l'imam vivant. La façon de pratiquer l'islam à la fin du 19e siècle dans les milieux populaires et dans les milieux piétistes, c'était la manière soufie, hein. C'est-à-dire que c'était les litanies du prophète, il y avait quelque chose, c'était les ziyara, c'est-à-dire les pèlerinages auprès des tombeaux, des saints, etc. Donc il y a au Caire, hein, un certain nombre de personnages qui viennent de la geste fatimide, de la geste chiite, tout simplement, qui ont été installés par les fatimides. Ce sont des tombeaux de la famille des fatimides, descendants de la famille du prophète, dont les tombeaux sont encore aujourd'hui des lieux de pèlerinage, et donc d'Al-Hussein. Il y en a deux qui se disputent le crâne d'Al-Hussein. Il y en a un à Damas, il y en a un au Caire, qui était à Ascalon. Et quand les croisés se sont approchés d'Ascalon, à la fin du XIIe siècle, on a évacué les restes d'Al-Hussein pour les ramener au Caire où ils sont toujours. On dit que Saladin était soit arabe originaire du Levant ou bien kurde, ce qui montre que de nombreuses peuplades commençaient à se distinguer. Jusqu'alors, le modèle de gouvernance que les Arabes avaient instauré, du début du premier État jusqu'à la chute de la seconde période abbasside, faisait que la communauté arabe, la composante arabe ou les grandes familles arabes étaient celles qui écrivaient l'histoire. Par la suite, les choses ont commencé à changer. Faisons un léger et rapide retour en arrière dans l'histoire. La période abbasside nous montre comment les choses se sont passées et comment Saladin est arrivé directement au pouvoir. Lorsque les membres de la famille abbasside ont commencé à se disputer le pouvoir, quand est née l'idée du prince héritier et du fils du prince héritier, là ont éclaté des conflits sans fin au sein de la famille abbasside. Des groupes se sont formés dans cette famille, aidés par les soldats mamelouks. C'est là qu'a émergé une classe mamelouk qui est arrivée dans l'histoire de l'islam avec force, après avoir renversé le califat. Ils ont installé un nouveau calife sur lequel ils avaient tous les pouvoirs. C'est eux qui gouvernaient réellement Bagdad, et c'est dans ces conditions que l'État abbasside s'est disloqué. En 1169, Saladin, à la suite d'une guerre avec les croisés, parce que les croisés étaient aussi intéressés par la conquête de l'Égypte, et les croisés de Syrie et Palestine, enfin les croisés qui étaient installés alors à Jérusalem, ils échouent, et Saladin va conquérir l'Égypte, reconquérir l'Égypte, et rétablir la khutba, c'est-à-dire le sermon, l'allégeance par conséquent, au profit du calife abbasside. Saladin a instauré progressivement la doctrine islamique sunnite en s'appuyant sur une fatwa du juge Abdelmalik ibn Darbas al-Shafi'i, c'est-à-dire du juge suprême Shafi'ite. Il a décidé de fermer la mosquée Al-Azhar, considérant qu'elle était le symbole de la propagation de la doctrine chiite en Égypte. Suivant le rite Shafi'ite, il a également mis en place une seule prière collective du vendredi dans la ville. Et c'est ainsi que la prière collective du vendredi a été déplacée de la mosquée Al-Azhar, après sa fermeture, vers la mosquée Al-Hakim, qui possède une plus grande surface et qui est située à proximité de la porte Al-Futuh, dans le nord. Il installe aussi sa dynastie, qu'on appelle la dynastie des Ayyoubides, du nom de son père, qui s'appelait Ayyoub. C'est le prénom Job en français. Et donc, cette dynastie des Ayyoubides, elle va se poursuivre jusque vers 1250 en Égypte, 1260 en Syrie. Et elle est en fait renversée par les invasions mongoles. Après avoir régné 10 ans sur l'Égypte et 5 ans sur Damas, Salah Nekmaddin Ayyoub, neveu de Saladin, est le dernier sultan de la dynastie des Ayyoubides.
Il décède en 1250, à l'âge de 45 ans. Sa compagne s'appelle Shajar ad-Dur, ce qui signifie « arbre de pierres précieuses ». Elle construira ce mausolée aux fenêtres en fer forgé qui rappellent le paon, l'animal préféré du sultan. Après Saladin vient peut-être la plus grande dynastie de l'Égypte médiévale, celle qui va en tout cas assurer absolument l'hégémonie de l'Égypte et du Caire sur le monde arabe, c'est la dynastie étrangement des Mamelouks qui sont des Turcs. Ce sont des serviteurs-soldats ou des soldats-serviteurs. Au départ, ce sont des esclaves, on les achète très jeunes en général, hein, entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça. Et donc ils sont élevés ensuite dans les casernes. Et donc ces esclaves-soldats, qui sont renommés pour leur extrême fidélité, leur père, c'est le sultan qui les a achetés, hein, celui qui les emploie, qui les nourrit. Ces esclaves sont à la fois fidèles, ils sont bons combattants, et c'est à eux, en général, que le pouvoir fait confiance, ce qui fait que, assez souvent, ils arrivent au pouvoir eux-mêmes. En réalité, la période mamelouk en Égypte est considérée comme une période faste. Car à son époque, Al-Malik al-Zahir Baybars a accueilli les sultans mamelouks qui avaient succédé à la dynastie abbasside après sa chute à Bagdad en 1258. Les théologiens musulmans ont longtemps considéré les mamelouks comme des non-affranchis. Cependant, ce qui a donné une légitimité au pouvoir des mamelouks durant tout leur règne, c'est qu'ils ont accompli de nombreux exploits, dont le plus important a été la victoire de Saif ad-Din Qutuz et Zahir Baybars lorsqu'ils ont stoppé l'avancée des Mongols. Ces Mamelouks seront chargés d'affronter l'apocalypse, c'est-à-dire la conquête mongole qui vient de s'emparer de Bagdad, qui vient d'exterminer la famille abbasside à Bagdad, qui vient d'exterminer la population de Bagdad, plusieurs dizaines de milliers de morts, qui vient de faire la même chose à Mossoul, qui vient de faire la même chose à Alep. Et voilà, les Mamelouks les rencontrent militairement en Palestine, à Ain Jalout. Alors c'est prédestiné, évidemment. Ain Jalout signifie la source de Goliath, c'est-à-dire que les Mamelouks sont dans la situation de David face au Goliath mongol. Les Mongols ont gagné toutes les batailles, des dizaines de batailles avant celle-là, et ils sont sûrs de leur victoire, bien entendu. Les Mamelouks sont la dernière chance de l'islam. Si le Caire est pris, il n'y aura plus rien d'autre que le Maghreb lointain pour continuer à défendre le drapeau de l'islam, et les Mamelouks l'emportent. Presque miraculeusement, ils remportent la victoire de Ain Jalout, et donc les deux grands généraux des Mamelouks, hein, qui remportent cette victoire d'Ain Jalout, Baybars et son ami de toujours, Kalaoun, seront évidemment immédiatement exaltés au rang de héros immortels pratiquement de l'islam. À partir de 1250, 49 sultans de la dynastie Mamelouk vont se succéder à la tête du territoire musulman le plus puissant de son époque. Un immense état comprenant l'Égypte, la Syrie et la péninsule arabique. La prise du pouvoir par les Ottomans sous le règne du sultan Selim Ier en 1517 met fin à cette dynastie. Les vestiges architecturaux du complexe Kalaoun témoigne de la richesse qu'a connue l'Égypte durant la période mamelouk. Ce qui se passe au début du XVIe siècle est renversant. Et renversant parce que, cette première puissance du monde musulman, et qu'il est depuis Ain Jalout, qui est victorieuse pratiquement depuis sa première victoire sur les Mongols en 1260, va être renversée en une seule bataille. Alors on comprend qu'elle soit renversée en une seule bataille, tout simplement parce que les Mamelouks sont extrêmement peu nombreux. Ce sont en fait, c'est une petite aristocratie de soldats, hein, face aux Ottomans. Ils sont peut-être 10 000, quelque chose comme ça, pour les 5 à 6 millions d'habitants à l'époque de l'Égypte et de la Syrie qu'ils contrôlent. Hein. On est après la peste, hein, les populations, les niveaux de population ont diminué, elles n'ont pas encore reconquis probablement leur niveau du 13e ou du début du 14e siècle. Initialement, les Ottomans étaient intéressés par l'Europe de l'Est.
Ils ont effectivement réussi à atteindre la Grèce, les Balkans et jusqu'au mur de Vienne. Puis ils ont porté leur intérêt vers ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe. Les points de départ ont été le Levant et l'Égypte, où les rapports de force avaient évolué. Le rôle des Mamelouks avait diminué et leur dynamisme économique s'était effondré suite à la perte du monopole du commerce ancien avec l'Inde et d'autres régions qui se tournaient désormais vers l'Europe. Les Ottomans ont réussi à reprendre les routes commerciales jusque-là détenues par les Mamelouks. Ils ont mis fin à la manne économique importante qui servait leur politique. C'est alors qu'a débuté l'ascension de cette nouvelle étoile qui va conquérir Constantinople. Mehmet Ier, qui a mis fin au règne de l'État byzantin, a commencé à étendre son empire jusqu'au monde arabe d'aujourd'hui. Les Français sont arrivés en Égypte vers la fin du XVIIIe siècle, précisément en 1798. L'État ottoman a opposé une résistance à laquelle ont pris part les Égyptiens eux-mêmes. Ils ont réussi à pousser les Français à quitter le pays en 1801. Très rapidement par la suite, le Cheikh el-Azhar Abdullah al-Sharqawi et le général Omar Makram ont demandé au sultan ottoman Mahmoud de désigner le chef militaire Mohammed Ali au poste de gouverneur de l'Égypte, et ce, en remplacement de Ahmad Kurshi Pacha. Mohammed Ali était déjà présent en Égypte. Il a aussitôt entrepris de construire une Égypte moderne. Mohammed Ali Pacha accédera au plus haut sommet du pouvoir en 1805. L'Égypte sera soumise à une longue tutelle ottomane, puis britannique. Elle accède à son indépendance en 1922. Rapidement, sa littérature, son théâtre et son cinéma lui octroient une place de leader au sein d'un monde arabe à l'aube de sa modernité. Finalement, l'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de la reconquête par l'Égypte du premier rôle dans le monde islamique, au moins jusqu'aux Ottomans, mais au total, l'époque ottomane, qui est beaucoup moins brillante, indiscutablement au Caire, que les époques antérieures, et en particulier l'époque mamelouque, les monuments en témoignent. Le Caire est fondamentalement une ville fatimide et surtout mamelouque. Mais l'époque ottomane n'a pas détruit le Caire, et très rapidement, au début du 19e siècle, lorsqu'un pouvoir indépendant s'est rétabli au Caire, le Caire est redevenu le centre du monde islamique, en tout cas du monde arabe, et elle l'est de façon extraordinairement brillante dans la première moitié du XXe siècle, indiscutablement. C'est le centre du cinéma égyptien, c'est le centre de la chanson, c'est le centre de la littérature. C'est vraiment la ville de la Narda, même si la Narda n'a pas du réveil arabe, même si le réveil arabe n'a pas commencé en Égypte. Mais c'est quand même l'Égypte qui a par excellence manifesté le triomphe, parce qu'il y a une forme de triomphe de ce modernisme arabe.